Le fait divers se déroule en France, dans l'ouest du Périgord. Un homme était dans sa petite cuisine tranquillement en train de préparer des magrets de canard confit, quand tout à coup, une Muscaea domestica fait son apparition. Ouais, mais c'est quoi une Muscaea domestica ? C'est une mouche qui est venue l'emmerder. L'homme a essayé de s'en débarrasser de manière classique, sans succès. Il a commencé à se focaliser sur la mouche pour lui éclater la tronche, à la main dans un premier temps, puis avec tout ce qui lui tombait sous la main dans un deuxième temps. Couteau, cuir en bois, louche, fouet, etc. Mais l'adversaire était coriace et vif. Durant la traque de l'insecte, l'homme a accidentellement tourné le bouton du gaz. Un certain temps s'écoule quand lui vient l'idée lumineuse d'utiliser un petit bijou de technologie moderne. L'homme s'est alors muni d'une raquette électrique pour tétaniser la sale petite tronche de la mouche. L'homme voit la mouche posée sur le rebord de la cuisinière. Il s'approche d'elle en mode furtif, la bave aux lèvres. Seulement, avec le temps, une petite poche de gaz s'est formée dans la cuisine. Et quand cette petite poche de gaz a rencontré la petite étincelle de la raquette électrique, ça a donné une grosse explosion, anéantissant au passage la cuisine et endommageant la toiture de l'habitation. Mais pas de mort, fort heureusement. Hormis la mouche, peut-être, c'est pas dit. Mais c'est surtout l'amour propre du mec qui en a pris un coup, bien sûr. Ah oui, quand même, un peu. Hein. Tu t'imagines à sa place ? Tu te vois en train d'expliquer aux pompiers ou à tes potes que tu as détruit ta maison pour tuer une mouche ? Je vous laisse un peu de temps pour vous mettre à sa place. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme conclusion à ce fait divers ? Eh bien, je vais vous le dire. Le gaz, c'est dangereux. Merci d'avoir écouté. Ceci est un communiqué du collectif de défense des plaques à induction. Merci d'avoir passé du temps en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire ou vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.